Ce que je veux faire avec toi dans cette vidéo, c'est te parler un petit peu des intérêts composés. Les intérêts composés. Et d'essayer de comprendre ensemble comment ça fonctionne et également à quelle vitesse ces intérêts vont augmenter lorsque ce sont des intérêts composés et pas des intérêts simples. Pour l'exercice ici, disons que je suis une banque et que si tu mets ton argent chez moi, je t'offre un taux d'intérêt de 10% qu'on calcule annuellement. 10%, c'est mon taux d'intérêt. Taux d'intérêt. Et ici, j'ai dit, on va le calculer annuellement. Donc, ça va être un taux d'intérêt en composition annuelle. Ça veut dire qu'on va calculer les intérêts de manière ponctuelle à la fin de la période sur laquelle on calcule les intérêts. D'habitude, dans des banques, les intérêts vont plutôt être calculés de manière continue. Mais ici, pour simplifier les choses et comprendre le principe, on va garder des intérêts en composition annuelle. Ça sert en effet à rien de commencer les choses en se cassant la tête avec des calculs hyper compliqués. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ben, disons que tu déposes aujourd'hui 100 euros sur un compte en banque chez moi. 100 euros aujourd'hui. Si on attend un an et que tu laisses ces 100 euros sur le compte, à la fin de l'année, quand les intérêts seront calculés, tu auras donc 10% en plus de ces 100 euros. Donc après un an, tu auras les 100 euros plus 10 euros. Donc ça fera 110 euros. Et après 2 ans, ou en fait, si on le voit autrement, un an après cette première année-là, donc après le moment où j'avais 110 euros sur mon compte, eh ben on aura quoi? Ici, on aura en fait 110 euros plus 10%, non pas des 100 euros de base, mais 10% des 110 euros, plus 11 euros, ce qui fait 121 euros. Et ça, c'est après 2 ans. Et avec ça, ici, on commence à se rendre compte que si on laisse systématiquement les intérêts sur notre compte également, ben on va voir que les intérêts vont augmenter de plus en plus vite. Ici, la première année sera 10 euros, la deuxième année 11. Et si on continue, on se rendra compte que ça va augmenter de plus en plus vite. Et de manière générale, comment est-ce qu'on a fait pour arriver à ce nombre-là, aux 110 euros? Eh bien, en fait, on a multiplié notre investissement de base, donc 100 euros, par 1,1. Et la deuxième année, on a multiplié de nouveau notre investissement de base par 1,1, donc ça, c'est nos 110 euros, et tout cela, on l'a de nouveau multiplié par 1,1. Et en fait, 1,1 ici, c'est quoi? 1,1, c'est simplement 100% plus 10%. Donc, notre investissement de base, 100% de ce qu'il y a sur notre compte, plus 10%, notre taux d'intérêt. Et ici, en fait, cela, ça va être égal à 100 fois 1,1 exposant 2 ou au carré. C'est une autre notation pour la même chose. Et donc ici, si on continue, la troisième année, on aura notre investissement de base fois 1,1 exposant 3. Et la énième année, si on devient un petit peu plus abstrait, pour être plus général, on aura notre investissement de base fois 1,1 exposant n. Et tout ça, en fait, c'était dans l'idée où notre taux d'intérêt restait à 10%. Donc, c'était encore assez simple, 1,1. Mais si on change ça et que soudain, notre taux d'intérêt et la situation, elle change et le taux d'intérêt devient 7%. Ça, c'est notre nouveau taux d'intérêt. Et bien, notre calcul, il va changer aussi. La première année, on aura 100, disons que notre investissement de base reste pareil. On aura 100 fois 1,07. 1,07, ici, c'est la même chose. C'est 100% plus 7%. Ça, c'est la première année. La deuxième année, après 2 ans donc, on aura 100 fois 1,07 exposant 2. Et ainsi de suite, jusqu'à la énième année. Et maintenant, on comprend un peu comment ça marche et on peut se dire que l'idée, eh ben, elle est simple en fait et qu'il suffit de multiplier le bon nombre de fois notre investissement de base par 1 plus le taux d'intérêt ou 100% plus le taux d'intérêt. Oui, c'est vrai, mais d'un point de vue mathématique, c'est pas si simple à faire que ça. Si par exemple, je change la question et que je pose la question à l'envers, je vous demande
Dans combien de temps est-ce qu'on aura doublé notre investissement? Dans combien de temps aurons-nous doublé notre investissement? Dans ce cas-ci, mon calcul sera le suivant. Ça va être 100, garde un investissement initial de 100, fois 1,1, donc avec 10% d'intérêt, exposant x, donc le x ici c'est mon inconnu, c'est le nombre d'années pour doubler mon investissement, et tout ça va être égal à 200, donc 200 c'est deux fois mon investissement, donc le double. Pour isoler le x ici, on va pouvoir commencer par diviser les deux côtés de l'équation par 100. Ça nous fera 1,1 exposant x est égal à 2. Et pour isoler x là, on va prendre le logarithme en base 1,1 de chaque côté. Ça va nous donner x est égal à logarithme en base 1,1 de 2. Et je suis conscient que tout ça semble très compliqué et que c'est déroutant. Il y a de nombreuses vidéos qui expliquent les logarithmes et comment les résoudre, mais c'est normal qu'on soit un petit peu dérouté ici, parce que la plupart d'entre nous, on est incapable de faire ce genre de calcul de tête. Et donc, bien que l'idée soit simple, combien de temps faut-il pour doubler mon argent? Eh bien, la réponse, elle n'est pas si facile à trouver que ça sans machine à calculer. Et dans la prochaine vidéo, je vais donc expliquer ce qu'on appelle la règle de 72, la règle de 72, qui est en fait un moyen approximatif, mais on va le voir plutôt précis, de trouver la réponse à cette question sans faire de calcul hyper complexe et se casser la tête avec des logarithmes.